Wouh! Hey! Salut à toutes et à tous, ici Lier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Moustache King Adventure! Yay! Magnifique jeu, s'il en est. Alors, nous allions nous diriger vers là. Je me suis permis de refaire le trajet. Vers cette ville qu'on avait déjà atteint dans le premier épisode. Je vais juste enlever le curseur de là parce que je l'avais encore sur l'application. Que bien retrouve là. Je me suis un peu perdu tout seul là. Oui, donc en fait c'est pas là qu'il faut aller. Ok. Bon, on va retourner au hub du coup. J'ai bien fait de pas m'amuser à montrer tout le chemin une deuxième fois du coup. La question est alors de savoir où il faut que nous allions. Donc on est au 1, 2, 3, à l'épisode précédent, ça va être dur ce soir. À l'épisode précédent, on s'est amusé à atomiser le baron, ce qui fait qu'on a une magnifique moustache. Magnifique moustache qui nous permet d'avoir ce coup-là, l'uppercute. J'imagine que toute la progression va se faire avec des nouvelles compétences comme ça, en trouvant le champion de l'arène. Et toutes ces choses-là. If you see any of my 5 kitties, please send them home. Yeah, bien sûr. Je me suis occupé du chat d'ailleurs sur le chemin. On va les renvoyer à la maison à coup de pied, oui. Bon, du coup, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est. Countship. Ouais. Ce qu'on va s'amuser à faire, c'est chercher les différentes zones. On va à chaque fois mettre le petit drapeau de scout dans les différentes zones, vu que de toute façon maintenant on est reconnu comme scout par la société des catapulteurs enragés là, et ça va nous permettre de au moins de pouvoir accéder aux différentes zones facilement pour ensuite atteindre les différents champions qu'il nous faut affronter. Ah oh, je suis sur un arbre. Bon. C'est pas que les arbres servaient de plateforme, mais en tout cas c'est bien pratique. Touk. Dégage. Ouais, y a rien ici. En fait, en vrai. On m'a menti. Oh. Ah, ils montent pas plus haut aussi. Tiens, mange pas ça. Ah, là-bas y'a un truc. Ton. Non. Loupé. Ah, mais je peux passer comme ça en fait. En fait, je peux y aller. Oh. Bon, attends, un nouveau. De nouvelles cimes enneigées. Oh chaud. Dégage. Merci. Bam, bam, bam. C'est quand même les meilleurs ennemis qu'on peut imaginer dans un. Oh là là. Les meilleurs ennemis qu'on peut imaginer dans un jeu vidéo. Des slimes, enfin des slimes avec des moustaches. Ah non. Zut. On va tenter de remonter. On a un slimcopter qui est bloqué. Je répète, un slimcopter bloqué. Yay! Bon, on l'a eu. Ouais, je pense que je peux l'attendre, lui. Juste qu'il revienne. Un jour peut-être. Et... Yeah! Ouais, il y en a 10 000. Hop là. Huh! Ensuite, non, j'attends pas. Yop, yop, et hop. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos de trailers de ce jeu-là. Enfin, de trailers fait par d'autres gens que le créateur, j'imagine. Où ça allait plus vite. Donc c'est sûrement à cause de mes réglages fraps que ça va cette vitesse-là. Bon, je sais pas si c'est vraiment déplaisant au final, ouais, ça prend son temps, mais bon, il est pas vraiment pressé, moi je crois pas. The only thing sexier than a tall brooding vampire is a man with a rugged stache. Mm. If you see one,
sure and send him my way, cutie. Oh, I have a statue. Come on. Je suis quand même battu un baron, quoi, je veux dire. Don't worry, bro. I'm not a real vampire. I'm just a vampire enthusiast. D'accord. Welcome to Café Rouge. Our specials today are Cabidela, Richen, and Mustamakara with Lagonberry Jam. The soups du jour are Swatsopa, Sardina, whoa, c'est quoi ce mot? Sardina, and Dandak. Do you serve anything that doesn't have blood in it? No. That would not fit our motive. Now would it? I suppose not. Ouais. Un peu bizarre ce café. En même temps, c'est leur gros truc. Par contre, elle a pas l'air d'un vampire. What a horrible place to be a nurse. Clairement, oui. Alors, un petit coup de... déco de stage. Yeah. Déco de photo. Parce qu'on est beau. Est-ce que c'est lui qu'il faut affronter? Bonjour. I'm here to see the Count. Oui, c'est bien lui. How dare you come to Count's castle with a mustache appointed? This is an act of war. Ok, donc maintenant on a l'hypercus, c'est ça pour frapper ça marche. Ok, donc il saute, on l'atomise avec l'hypercut. The morning stage has vanquished this horrible night. C'est un peu plus grand que le château du baron, moi. Hein? Seize the pointy moustache man! Boom! Ça va, ils sont quand même. Ils sont soft là, c'est uniquement l'utilisation du nouveau pouvoir. C'est plutôt cool. Ah! Serait-ce le comte? Ah, c'est le comte! Great Caesar's Coast! Sporting such a sharp moustache in my castle can only mean one thing. The immortal Count von Valrus accepts your challenge. En carte. Yeah. Wow, il m'a mordu. Ah, ça sert à rien que je fasse ça, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? What? Alors, l'uppercut sur lui, ça a pas l'air de marcher des masses, du moins quand il est en l'air. Comme ça. Ah, c'est peut-être là qu'il faut que je... Ah, mais comment je fais, du coup, pour espérer lui infliger des dégâts? Si mon hypercute ne fonctionne pas sur cet ennemi aérien? Non, il me fait mal, en fait. Comment est-ce que je peux espérer faire? Quand il plonge, peut-être? Mais c'est chaud, hein, quand il plonge. Ah, là, il a pas sa... Quand il a pas sa robe. Quand il a pas sa cape. Faut que je teste quand il a pas sa cape active. Là, il a pas sa cape active. Ouais, c'est quand il a pas sa cape active, il faut que lui... Ah, bon. Ok, on s'est fait poutrer la tête. Mais c'était plus un souci d'incompréhension que vraiment... un problème de combat, on est d'accord. On est d'accord pour dire que je suis pas vraiment moins fort que le comte. Que j'ai quand même une moustache qui pointe, comme disent les gardes. Allez, hop. Ah, oui. Quel enchaînement. El mustacho. Mustacho del king, el baron. Toc toc. Allez, viens là. Hop là, aucun problème. Allez, toi maintenant, mon beau, je sais quand est-ce qu'il faut que je t'attaque. Great Caesar. You brought a count from Valrus. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Allez, viens. Enlève ta cape pour voir. Boum, j'ai envie de dire. Ouais, vas-y. Fais-moi rêver. Enlève ta cape, là. Montre-moi ton bide. Hop là. Oh, il s'en est pris tellement plein la tête.
Il est où, il est où? Hop. Il est de nouveau en mode dissimulator. Dissimulator del Conte Valrus. Si je l'ai attends un peu, ouais, bon, c'était pas très probant là, pour le coup. Où est-ce qu'il va aller? Hey, je suis là, mec. What? Ok, j'ai fait le foufou. J'ai fait le foufou. Hop là, là il s'est bien mangé. Il s'est bien mangé. What? Mes dents dans la tête. Oh, est-ce qu'il faut que j'attaque quand il fait ça? Ah, il récupère de la vie quand il fait ça. Ah, la saleté. Yot! Ah, il s'est récupéré là, il s'est récupéré, il a regagné de la contenance. Boum! Allez, le compte dans la poche. Boum 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 boum. You learn block. Yeah. Hold down to become mag invulnerable. Please don't take my castle. It's the only one I've got. Oh, I don't want your castle. I only came to prove my stash. You are so merciful. Please, take this fountain of moustache wax. Ah, la moustache wax. Toujours un plaisir. Cette pose. Pose de bloc. You found a tin of moustache wax. Yay, yay, yay. Du coup, quand j'appuie sur bas. Yay. On dirait que le mec est trop content. Hey, je t'ai battu. Hey, ouh, ouh, ouh. Attends, si je me mets en hauteur, ça fait quoi? Hop, là, attends, il me regarde vers là. Hey, yay. I'm your master. Hey. Bon, j'arrête là. Hop. Eh, j'ai quand même une moustache qui commence à être relativement touffue. C'est dégueulasse dit comme ça. Les moustaches qui pointent, les moustaches qui... N'empêche que ça reste un régime relativement semblable à d'habitude. Hein. C'est à celui qui a la plus grosse. Hop là, la photo. Allez, on se fait reprendre en photo. Allez. Hop là, la photo. J'ai pas besoin qu'on coupe la moustache. Et voilà pour cet épisode de Moustache King Adventure. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu, et que ce combat épique contre un comte vampire aura su vous conquérir. On se retrouve pour la suite de Moustache King Adventure, 1, 2, 3 de Moustache King Adventure, une vidéo qui était un peu mal partie au niveau de la diction, et qui se finit un peu mal au niveau de la diction aussi, mais qui, au niveau du milieu du contenu, ça va encore, hein, on a vu pire. Quand est-ce que je vais faire la suite? Je sais pas encore, mais ça viendra, c'est sûr. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous... Je vous souhaite à... Non, ça ne marche pas cette saison. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo au final. Et vous donne rendez-vous, non seulement pour la suite, mais pour tout ce qui environne cette série de vidéos, tout ce que vous pouvez trouver sur la chaîne. Salut à toutes et à tous!